bienvenue à l'enregistrement du culte pour la fête de la Réformation. Nous commençons avec lettre 8. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue l'Éternel pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa bonté, le Dieu éternel a envoyé son Fils unique, qui est devenu homme, afin qu'il expie tous vos péchés. Vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ seul. Mettons votre confiance dans la révélation de Jésus-Christ seul, par la parole seule. Et le tout, c'est par sa grâce seule. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui a suscité en tous les temps la grande nuée des témoins fidèles, pour que brille la lumière de l'Évangile, accorde-nous de proclamer avec joie ta parole pour le salut des hommes et la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de la Réformation, tout d'abord dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 14, les versets 6 et 7. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ici prend fin la lecture de l'Apocalypse. Écoutez également l'Épître dans Romains, au chapitre 3, les versets 19 à 28. Or nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il l'avait laissé impuni les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans les temps présents de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus.
Où est donc la raison de se montrer fière? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 8, les versets 31 à 36. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre ?»« en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions le Seigneur. Ô Dieu de toute justice, nous te remercions de ce que tu nous offres un témoignage de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Jésus, par son sang, est devenu la victime expiatoire pour ceux qui croiraient, qui sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Donne à ton Église le courage de confesser cette vérité à notre époque, pour que tous ceux qui l'entendent soient déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans son roman, Un conte de deux villes, l'auteur anglais Charles Dickens comparait la vie en Angleterre à celle de la France à l'époque de la Révolution française. Il commença ainsi. C'était le meilleur des temps. C'était le pire des temps. C'était l'âge de la sagesse. C'était l'âge de la folie. C'était l'époque de la foi. C'était l'époque de l'incrédulité. C'était la saison de la lumière. C'était la saison de l'obscurité. C'était le printemps de l'espoir. C'était l'heure du désespoir. Nous avions tout devant nous. Nous n'avions rien devant nous. Nous devions tous aller directement au ciel. Nous devions tous prendre l'autre chemin. Quand nous considérons l'histoire de la Réformation, il y a la tentation que l'on décrive l'époque au superlatif, comme si elle avait été glorieuse, un âge d'or durant lequel les luthériens ont gagné des victoires successives, sans défaite, où tout le monde a afflué en masse vers Christ, où les ennemis de la vérité ont été vaincus. Pour propager cette idée, nous citons Luther. Je n'ai rien fait qu'enseigner, prêcher et écrire la parole de Dieu. À part ça, je n'ai rien fait. Lorsque je dormais, où je prenais une bière brassée à Wittenberg avec mes amis Philippe et Amstorf, la parole a plus affaibli la papauté que ne l'ont fait un prince ou un empereur. La parole a tout fait, je n'ai rien fait. Dans nos têtes, nous imaginons l'époque de la Réformation comme étant le meilleur des temps. L'âge de la sagesse, l'époque de la foi et la saison de la lumière. Nous voudrions que de nos jours, l'Évangile fasse tomber nos ennemis, se propage par lui-même et produise un réveil spirituel pour que nos églises soient pleines. Quand Luther dit en 1522 que la parole a tout fait, la vraie réformation n'avait guère commencé. Si vous pensez que Luther n'a rien fait, sachez que la vérité est autre. Il a enseigné, prêché et écrit énormément. Considérez son étude et sa méditation de la parole, sa préparation pour ses cours de théologie et les nombreux ouvrages, sermons et cantiques qu'il a écrits. Considérez les mois consacrés à la traduction de la Bible. Et Luther n'était pas seul dans son travail. Voyez Melanchthon et les autres professeurs à l'université.
sa femme, Katharina, son propre pasteur, Bugenhagen, les autres pasteurs, les artistes, les imprimeurs et les princes. Il y a eu énormément de travail pour que la Réformation se répande. Si nous considérons l'époque de la Réformation comme étant le meilleur des temps, il faut aussi le voir comme étant le pire des temps. L'Église catholique menaçait la vie de Luther, Heinrich Voss et Johann Esch et d'autres ont été martyrisés parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à la doctrine luthérienne. La bataille pour la vérité se faisait sur deux fronts. D'abord, contre l'Église catholique, mais ensuite, contre les réformateurs plus radicaux. Il y a eu la menace d'une guerre contre les Turcs. Il y a eu la guerre des paysannes. On peut dire que c'était le pire des temps, l'âge de la folie, l'époque de l'incrédulité, la saison d'obscurité et l'heure du désespoir, parce qu'il y eut des populations entières qui rejetèrent la parole de Dieu. Pour nous, quand nous observons autour de nous, comment estimons-nous notre époque? Le meilleur des temps ou le pire des temps? Il y a de vrais ennemis de l'Évangile qui aimeraient voir la destruction de l'Église. La société respecte de moins en moins la trêve dominicale. Il y a de faux enseignants partout. Et la plupart des chrétiens ne connaissent pas les fondements de la foi. Le nombre de personnes qui assistent au culte diminue. Il y a des chrétiens qui désespèrent face aux défis de notre temps. Mais est-ce le pire des temps? Non. Paul ouvre notre épître en disant, mais maintenant, ces mots ne sont pas inutiles. Paul signale qu'il y a eu un changement. Il y a eu un temps où les temps étaient pires. Avant Jésus-Christ, seule la loi condamnait. Tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ni les Juifs qui avaient la loi écrite, ni les non-Juifs qui n'avaient que la loi écrite dans leur cœur, n'ont obéi à ses exigences. La loi n'offrait aucun réconfort pour les pécheurs qui étaient injustes et incapables de se justifier eux-mêmes. La loi maudit tout homme, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est-à-dire que les cinq premiers livres de la Bible et les écrits des prophètes enseignaient la loi avec clarté pour les Israélites. Mais ces écrits annonçaient aussi la justice de Dieu par la venue du Messie. Les croyants de l'Ancien Testament se fiaient à cette promesse et par la foi étaient justifiés. Abraham crut et l'Éternel le lui compta comme justice. Comment Dieu pouvait-il ne pas punir les péchés des saints de l'Ancien Testament? Parce que
Christ allait payer le prix. Permettez-moi de vous donner un exemple pour illustrer pourquoi ce n'était pas une injustice. Dans mon ancienne paroisse, quelqu'un m'a demandé de lui prêter de l'argent. Je lui ai donné l'argent, sachant bien qu'il n'allait pas pouvoir me rembourser. 10 jours plus tard, quand il m'a demandé que je lui donne plus de temps, je lui ai dit, la paroisse a considéré ce cas comme étant une situation de bienfaisance et m'a déjà remboursé. Ce n'était pas faux, ce que j'ai dit à cet homme. Mais le paroissien ne savait pas que c'était moi qui avais donné l'argent à l'église pour me rembourser. Voilà ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament. Il a laissé les péchés impunis, sachant qu'il allait lui-même payer le prix. Et voilà ce que Dieu a fait. Notre traduction dit, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Je vous propose une autre traduction. La justice de Dieu a été révélée par la fidélité de Jésus-Christ envers les croyants. Voici la différence. La première traduction indique que c'est notre foi en Jésus qui nous sauve. Et cela est vrai. Ma traduction dirige notre attention sur le fait que c'est Jésus qui est le fidèle. La justice de Dieu est rendue évidente par le fait que Jésus a tenu sa promesse et qu'il est devenu la victime expiatoire pour ceux qui croyaient. Et non seulement pour eux, mais pour le monde entier. Voilà la signification de « mais maintenant ». On n'est plus dans l'incertitude, attendant le jour de l'expiation des péchés du monde. Jésus l'a fait. Il n'y a plus de doute. Ainsi, le verset 26 de notre texte dit, « Il démontre sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. » Les mots « temps présent » ne sont pas seulement une indication du passage du temps. Mais le mot en grec communique l'idée que nous sommes à présent dans une nouvelle ère, une nouvelle époque. À partir de maintenant, nous vivons dans une nouvelle réalité. Christ est mort pour les péchés du monde, vos péchés. Par la foi en Jésus, sont tous pardonnés. Votre justice devant Dieu ne dépend pas de votre obéissance à la loi, mais du fait que tout est accompli, que tout a été payé. Luther a eu raison. La parole, Jésus, fait tout. Parce que la parole crée une foi vive dans le cœur des chrétiens. De la même manière que la parole a poussé les réformateurs à enseigner, à prêcher, à écrire. La parole nous pousse à enseigner, prêcher et écrire. Elle nous pousse aussi à utiliser les technologies d'aujourd'hui pour que d'autres puissent en bénéficier. La parole fait tout, mais elle l'accomplit à travers le peuple de Dieu. Il y a toujours du boulot. Il ne s'agit pas de la promotion d'une réformation vieille de 500 ans. Il s'agit de la proclamation que nous vivons l'époque du salut gratuit en Jésus-Christ. Nous avons la certitude de l'amour de Dieu envers nous.
qui ne nous méritons que la condamnation éternelle. Le travail à l'époque de la Réformation est le même travail que celui que nous avons à faire. Mais ce n'est pas nous qui le faisons. La parole fait tout. Ce n'est pas moi qui incite les gens à assister au culte, mais la parole. La parole lue, prêchée, entendue, méditée et crue. Grâce au texte imprimé ou envoyé par mail ou des enregistrements, Dieu continue, à travers sa parole, à réaliser ce qui me dépasse, ce qui vous dépasse. Chers saints, si nous regardons tous les problèmes qu'il y a autour de nous, nous constaterons que c'est le pire des temps. Mais c'est aussi le meilleur des temps. Nous vivons l'âge de la sagesse, l'époque de la foi, la saison de la lumière de Christ, le printemps de l'espoir. Nous avons tout devant nous, et la grâce et la justice sont les nôtres par la foi en Jésus-Christ, grâce à sa fidélité envers nous. Il n'y a plus rien à payer. Contrairement au faux enseignement de purgatoire qui nous obligerait à expier nos péchés véniels, quand nous mourrons, nous irons directement au ciel. Vous êtes gratuitement déclaré juste par la grâce de Dieu, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. L'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Que Dieu bénisse notre fête de la Réformation. C'est le meilleur des temps. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, nous te louons parce que tu as envoyé ton Fils unique pour nous racheter du pouvoir du péché, de la mort et du diable. Nous te rendons grâce de ce que tu nous appelles et nous rassembles pour être membres de ton Fils, Jésus-Christ. Bénis l'activité de nos paroisses, pour que ta sainte parole soit entendue, pour que ton peuple soit nourri, et pour que des enfants et des adultes qui n'ont pas encore été baptisés reçoivent la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le don d'une Église, que nous glorifions Christ ici, quand nous nous rassemblons pour te prier, t'adorer, te bénir et te dire notre reconnaissance. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de tout temps, nos destinées sont dans ta main. Nous te rendons grâce pour les saints à travers lesquels tu as travaillé pour faire briller la lumière de l'Évangile, et parmi eux, les réformateurs. Fais surgir du milieu de ton peuple des pasteurs fidèles qui continueront le travail qu'il y aura à faire dans cette nation. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de vérité, nous prions pour les personnes qui sont égarées par de faux prophètes et faux enseignants. Que la vérité de ta parole réconforte ceux qui vivent dans l'incertitude de ton salut, se reconnaissent comme pécheurs. Rassure-les par la bonne nouvelle que Jésus a tout fait pour leur salut. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, c'est toi qui infliges la blessure, mais tu la soignes. Tu frappes, mais c'est ta main qui nous guérit. Nous prions pour ceux qui sont blessés,
qui ont besoin de tes soins, tant pour le corps que pour l'âme. Du fond de la détresse, qu'ils fassent appel à toi. Réponds et délivre ceux qui sont affligés. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Père miséricordieux, exauce-nous par ta grâce, afin que les maux que le diable ou les hommes nous préparent soient réduits à néant, et que nous te glorifions continuellement par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.